bête, Loulou le pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi. Barnabé le scarabée. D'Anton Krings. Édition Gallimard. Barnabé le scarabée. Dans le jardin des drôles de petites bêtes vivait un scarabée qui s'appelait Barnabé. Il avait un ventre bien rond et portait toujours sur la tête un chapeau de toile jaune. Barnabé était un artiste. Chaque jour, il allait planter son chevalet dans un coin du jardin et peignait pendant de très longues heures son sujet favori, les fleurs. Puis, le soir, quand il faisait trop sombre pour travailler, il repliait son matériel, remerciait les fleurs d'avoir posé patiemment et rentrait chez lui, sa toile sous le bras. Barnabé était un grand artiste. Il lui arrivait de temps en temps de faire le portrait des rois et reines du jardin qui aimaient son travail parce que c'était très ressemblant. Pendant qu'il peignait ses fleurs chéries, Mireille venait souvent le déranger. Elle tournait autour de lui et faisait des « Oh !» d'émerveillement à chaque fois qu'il posait son pinceau sur la toile. « C'est vraiment très beau, tu sais, Barnabé. »« Oui, je sais, » faisait Barnabé un peu irrité. Marie la fourmi, patouche la mouche, belle la coccinelle. Et un tableau comme ça, ça vaut combien une fois fini? Parce que tu sais, Barnabé, je te demanderai bien de faire mon portrait. C'est 150 pots de miel, répondit le scarabée sans prendre la peine de relever la tête. 50 ! S'étrangla Mireille. Elle ne savait pas compter au-delà de 10, mais 50 pots de miel, c'était beaucoup. Beaucoup trop. Mireille ne se découragea pas pour autant. Elle rendait régulièrement visite à Barnabé et lui demandait de faire son portrait. Le scarabée avait beau lui répondre qu'il ne faisait que celui des rois et des reines et qu'il était de toute façon bien trop occupé, Mireille ne l'écoutait pas et retournant toujours le voir. Marie la fourmi, patouche la mouche, belle la coccinelle, camille, Barnabé, cimé. Ce petit manège dura un certain temps jusqu'au jour où il en eut assez de voir tourner Mireille autour de lui. Il lui donna donc rendez-vous pour faire son portrait, ne voyant pas d'autre moyen de s'en débarrasser. Il lui demanda aussi de ne pas oublier d'apporter deux pots de miel. L'abeille accepta volontiers le marché. Son portrait, fait par un grand artiste pour deux pots de miel, mais quelle aubaine! Dans l'atelier de Barnabé, Mireille prit la pause et notre artiste commençait à peindre. Mais Mireille ne tenait pas en place. « Cesse de gigoter comme un ver de terre !» répéta Barnabé agacé. « C'est pas bientôt fini ?» soupira l'abeille. Marie la fourmi, patouche la mouche, belle la coccinelle, camille, Barnabé, siméon, le pape. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu reviendras demain et n'oublie pas d'apporter encore deux pots de miel. On peut voir ? Demanda Mireille impatiente. Jamais on ne montre un tableau inachevé, répondit Barnabé. Le lendemain, puis le surlendemain, Mireille retourna chez Barnabé sans oublier les pots de miel, mais elle n'avait toujours pas vu son portrait. Pendant que l'abeille posait devant lui, il peignait ce qu'il voulait, des fleurs ou des paysages. Au bout de 3 semaines, Mireille s'impatienta et elle se mit en colère. Elle ne savait pas combien de pots de miel elle avait apporté en tout, mais elle savait seulement que ça faisait beaucoup. Mais alors, beaucoup trop. Alors Barnabé prit une petite toile neuve et peignit en 5 minutes une abeille en colère. « Voilà ton portrait est enfin terminé !» Et il montra le travail. Je crois bien qu'elle était déçue du résultat. Mais elle n'osa pas le dire de peur que le scarabée ne recommence le portrait et qu'il lui demande encore des pots de miel et rentra chez elle. Depuis ce jour,
Barnabé ne fut plus dérangé et il put enfin peindre en paix les fleurs du jardin pendant que Mireille, qui n'avait plus de miel, butinait. Léon,